Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes petits plats de tous les jours. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je vais préparer aujourd'hui des cuisses de poulet caramélisées donc au miel et au beurre. Alors, pour faire cette recette, donc il me faut 3 belles cuisses de poulet, 4 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de beurre, du sel, de l'ail semoule et puis du thym. Alors, je vais tout d'abord mettre le four à préchauffer et en même temps, je vais mettre donc le miel et le beurre à fondre dans une casserole. Alors, la première cuillère à soupe de miel. Alors, allez-y généreusement à la cuisine, hein. En principe, c'est la générosité. La deuxième. Troisième cuillère. Et après, donc, on passera au beurre. Et donc, je laisserai fondre tout doucement à feu doux. Voici. Maintenant, ben, je vais passer au beurre. 3 cuillères à soupe de beurre. 2 et 3. Ben, maintenant, ben, je vais laisser mettre à fondre tout doucement à feu doux. Le miel est fondu. Voilà. Je vais pouvoir ajouter donc le thym, l'ail semoule et mettre donc tout ceci sur les cuisses de poulet. Je mets le sel. Voilà. Je vais mélanger donc le miel, le sel et le beurre. Verser ce mélange sur les cuisses de poulet. Voilà, comme ceci. Ensuite, le thym. L'ail semoule, ça va donner un super bon goût. Et maintenant, ben, je vais laisser cuire donc au four 45 minutes en surveillant bien sûr la cuisson et adapter ben, si nécessaire. Ben, je vous donne rendez-vous tout de suite après la cuisson. Les cuisses de poulet, donc voilà, sont cuites, elles sont bien caramélisées. Donc, je les ai retournées 2 fois pour qu'elles cuisent dessous et qu'elles soient aussi bien caramélisées d'un côté que de l'autre. Voilà. Alors, j'ai préparé également donc 2 purées, une purée de pommes de terre et une purée de panais. Et donc, j'ai mis des petites quenelles de chaque côté avec la cuisse de poulet caramélisée. Voici. Alors, vous pouvez aussi arroser les cuisses de poulet et les 2 purées avec le mélange beurre-miel. Ça sera super bon. Surtout, n'hésitez pas à refaire la recette à la maison, à laisser un j'aime. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt!